Ah bonjour, donc nous voici pour la deuxième édition de Laval, hein, donc un peu encore fatigué, normal, le réveil est un peu, ça réveille pique. Hein. Donc voilà, donc là on est dans la pièce d'élevage pour préparer les bêtes. Donc là on a fini de les préparer, elles sont dedans, elles sont en train de se calmer, on va dire. Après on a une petite demi-heure de route à peu près, Ouais, à peu à près, peu j'aime bien près. un peu, à peu Et près. donc voilà, on va à Laval. Après on va revenir un peu sur ce qui s'est passé l'an dernier, parce que c'était une bourse où ils ont fait à peu près 400 entrées, un petit peu Moi, plus. un peu moins même, Ouais, ça devient à peu près dans ces eaux-là, quoi. Et il y avait donc très peu de pubs, voire quasiment pas. Pénurie d'essence qui avait aussi bien cassé ça, quoi. Ouais. Donc on était assez Dans le flou, déçus, oui, dans le flou. Puis par rapport à cette année. il n'y avait pas beaucoup non plus d'acheteurs aussi l'an dernier, beaucoup de matos, pas assez de bêtes. Donc après, au niveau organisation, sur place, pour le jour J, franchement, ils étaient nickel, les repas étaient pas mal, ils avaient bien géré l'orchestre, la rentrée, machin, tout était carré. Voilà. Après, bon, moi, la position que j'avais eue l'an dernier, l'emplacement était pas pratique, parce que j'avais un exposant sur ma droite, on avait 1 mètre de passage, et moi, il y avait mon stand, donc on se marchait un peu dessus. Donc, mais bon, après, ça c'était. Quand c'est les premières années, il y a toujours des couacs ou des trucs qui collent pas, donc voilà, on peut pas non plus leur reprocher. Donc là, quand même, pour cette deuxième année, ils ont fait un peu plus de pubs. Donc on espère vraiment Ce qu'il y sont ait du que monde. plus tôt déjà. On se ferait plus tôt également, un peu plus de pubs. Donc Ils ont après, à voir si ça ramène du monde. Après, c'est fait un samedi et pas un dimanche. Et comme c'est dans une zone commerciale, ça peut ramener un peu plus de monde. Ouais. Notamment plus de visiteurs s'il y a ça. Donc ça peut être une bonne chose. Donc après, à Mais c'est voir vrai si le qu'en plus public est au cette année rendez-vous. ils ont sélectionné moins de matériel, Oui, plus ils ont fait un peu de tri sur ce qu'ils voulaient. ouais, ils ont voulu sélectionner se baser que sur les animaux cette Bah, année. surtout que voilà, sur la liste, je crois qu'il y a deux vendeurs de matériel, il y a toi Ouais, et moi et Fontec, c'est voilà, tout. et ça fait deux vendeurs de matériel. Ça, c'est largement suffisant vu la taille de la salle. Il faut axer sur les animaux parce que les gens qui viennent, les passionnés, ils viennent Viennent pour prendre du les animaux. matos, ils viennent prendre de la bouffe pour leurs animaux, c'est normal, Mais ils mais ils viennent veulent, surtout pour les animaux. voilà, ils viennent pour les animaux, voir ce que certains éleveurs peuvent sortir. En plus, en éleveur, là, on aura donc Nelly, il y Pour les aura Jack tortues, Leveneur, Jack le Veneur. et d'autres éleveurs amateurs, c'est Capéran Reptile, c'est ça? Franck. Capéran. Non, Carrigan. Carrigan, ah, je. Capéran, c'est Oui, plus gros quand même. Ouais, mais je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça son nom m'est resté. Il y aura Gecko Barreau. Géco Barreau également, un de nos amis de l'ATM, hein. Salut les gars, on vous revoit tout à l'heure. Donc voilà, donc Plein de monde. il y aura plein de monde, enfin du beau monde en tant qu'exposant. Après, il faut que le public soit là, donc on verra bien. On verra bien si ça tourne. Après, bon, on peut avoir pas mal de Ouais, visiteurs et pas avoir grand-chose. Donc, en plus c'est assez varié au niveau des espèces. c'est assez varié. Ouais, je pense Il y a que l'Indendromate, il y a des y a que Nelly phasmes. en tortue terrestre et ça fait pas beaucoup. S'il y a beaucoup d'amoureux de tortues, ça va pêcher. Mais bon, ça, c'est des bilans qu'ils feront eux-mêmes à la fin. Et voilà. Donc après, on Pas de verra tortue aquatique. pas de tortue aquatique. Malheureusement, les miennes, elles se décident pas encore. Hein. Puis Donc ça va être le début de saison aussi, Oui, c'est c'est bah ça, de toute fin de façon, saison, début de saison. Voilà. voilà, j'aurais pas eu de bébé non plus, De toute façon, c'est donc je suis pareil, pas c'est inquiet pas là-dessus. évident. Voilà, c'est plus les bourses comme ça en début de saison, c'est plus pour les fins de Les fins les des invendus, on va dire, invendus, ouais, voilà, de c'est les invendus. voilà, parce Les invendus que d'aide. les personnes qui ont des invendus, les bourses de fin de saison sont pas forcément dans le même secteur, et quand tu as des invendus de la saison dernière, ils peuvent plaire dans d'autres secteurs que là où t'as pas Voilà. été, quoi. Donc c'est un peu l'objectif de ce type de bourse. Donc là, on va y aller parce que quand même On est un peu à la bourre, on c'est a surtout ça. C'est un coup à arriver en retard, d'ailleurs je crois que c'est ce qui va nous Oui, arriver. déjà fait et puis du 8h, Non, ça ouais, enfin si on va arriver un petit peu après 8h, donc le temps de s'installer, ça ouvre à 10h. on va arriver vers 8h30. Sachant qu'il faut, comme on a des animaux, il y a la visite Sanitaire. voilà, les visites sanitaires à faire. Par Nelly. Ouais, je C'est crois elle que qui s'occupe. Nelly et Jack ce C'est coup-ci qui s'y collent, donc Nelly. C'est Ludo Nelly et Jack qui de sont. l'association l'a dit. Voilà, mais parce qu'ils Photographe. sont, ils sont capacitaires aussi, donc Voilà. voilà. Il fallait des capacitaires pour faire. Voilà. Donc je pense qu'on peut pas être plus mal contrôlé. Voilà. On est vachement bien contrôlé là. On Enfin, est ils bien. font. Voilà. Ça va être carré, quoi. Avec Jack, ça rigole pas. Attention. C'est limite, il faudrait qu'on se fasse une côte comme lui. Ouais. Il va me chambrer quand il verra ça. Non, bon. Donc voilà, on va y aller. Et puis je vous fais. Alors, comme je serai sur mon stand et que j'aurai les animaux, je ne ferai pas un tour de tous les stands comme je peux le faire habituellement. Je ferai un petit balayage panoramique de quelques secondes, histoire que vous puissiez voir un peu le monde qu'il y a, un peu voir comment était disposée la salle, un peu les stands aussi, que vous verrez de loin. Mais vous verrez certainement les bannières des exposants, donc ça vous donnera une idée de ce qu'ils font. Et puis on se retrouve après pour le bilan.
Allez, à tout à l'heure. Bon bah nous voilà donc pour la fin de la bourse de Laval, hein. Donc bah surprise pour cette bourse là parce que l'an dernier on était pénurie d'essence et il n'y a pas beaucoup de monde. Et là il y avait bon pas de pénurie d'essence, on peut pas avoir ça tout le temps, mais énormément de monde, environ 700 personnes, hein, c'est ça, plus, hein, un peu plus. Donc c'est ça double par rapport à l'année dernière, donc c'est vraiment sympa. En progression. En plus qu'en progression, ouais. Et surtout que moi, pour une fois, j'ai pas pu quasiment quitter mon stand et j'ai mangé ma pause du repas du midi, je l'ai fait à 18h à la fin, quoi. Donc vraiment beaucoup de surprises. Pas de trop. Du monde à longueur de temps. Il y avait du monde, mais en continu, donc c'est vrai que c'était pratique. Après, niveau vente, bah, ça varie selon les exposants. Moi, juste une gigote, hein, donc toi, un petit peu de matos, quoi. C'est... Un serpent. Voilà, un serpent aussi. La Speedytest qui est pas partie, hein, malheureusement, les GECO non plus, donc on retentera notre chance. Hein. Oui, c'est pas bien grave, de toute façon, t'as les installations qui sont pour ça. Donc voilà, donc sur cette bourse, beaucoup de surprises. Donc là, vous avez vu un petit peu les images, donc j'ai pas pris beaucoup parce que j'étais sur le stand et j'ai pu à peine les faire. J'ai fait juste un balayage de quelques secondes sur toute la bourse pour que vous puissiez voir un petit peu la folie que c'était. Et encore, c'était le seul moment de creux que j'avais, sinon j'avais tout le temps du monde qui passait, malgré que je sois dans un angle. Une personne. Surtout une personne, oui, qui est restée avec moi, oui, 2 heures. Ouais, j'avais pensé que c'était une demi-heure, et quand on m'a dit non, c'est pas loin de 2 heures, ah oui, quand même. Comme quoi, la notion du temps va très vite. Donc, mais t'as pris quand même la petite J-Cote. Et voilà, la petite J-Cote qui est partie au passage, donc une discussion longue, un peu. Pas forcément axée sur GECO ou Tortue, c'était un peu de tout. On a même parlé de YouTube, on a parlé vite fait des réseaux sociaux au passage aussi. On a parlé de Tortue, bien sûr, de Tortue, on a parlé GECO, on a parlé un peu Serpent, on a parlé d'installation. Voilà, c'était vraiment vraiment sympa et c'est rare que j'ai des discussions qui durent aussi longtemps. Donc agréable surprise aussi, puis bon bah j'ai pas quitté mon stand, pas beaucoup, ce qui est vraiment très rare, d'habitude je suis toujours en promenade, donc ça change un peu. Toi non plus t'as pas trop quitté ton stand, de toute façon avec 8 mètres, hein, c'est pas évident. Hein. Mmh. Même si t'étais accompagné avec Lucie, donc c'est. Mais il y avait quand même du boulot, quoi. Voilà. Il y a du boulot, t'as vendu un petit peu de tout. Je t'ai même aidé à vendre des gélis au passage. Versus un même vendeur. Voilà, je devais demander ma prime Wisconsin, je vais demander mon t-shirt aussi. Donc sinon dans l'ensemble, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Que du positif. Il y a du positif, il y a encore des choses qui peuvent être améliorées encore. Mais l'organisation. Ça, voilà. L'organisation. Alors, à savoir que l'organisation, il y a très peu d'adultes, beaucoup d'enfants. Voilà, ça c'est. Il faut remettre les choses dans le contexte. C'est une association qui est aussi assez jeune, hein, l'air de rien. Aussi, bah non, donc, elle est assez vieille, mais enfin, elle est assez vieille, mais elle a été reprise, mais reprise encore, parce que bah, voilà, c'est un bureau qui est revenu, mais un bureau jeune, on va dire ça comme ça, et ça a quand même aidé plus de jeunes, de jeunes ados, plutôt que d'adultes prêts à en découdre, on va dire, à chaque bourse, quoi, comme on peut le voir avec les crocos principalement ou l'ATM. Voilà. Il y a beaucoup de gamins, mais qui sont vraiment très sérieux et l'air de rien motivés. Mais calé aussi, parce que j'ai pris une leçon sur les poissons. Ouais, je dis chapeau là. Poisson, crevette. Ah, en gros, j'ai pris le total. J'ai pris une claque dans la tronche, hein, ça m'a calmé. Donc, non, c'est quand même impressionnant de voir qu'une association va se renouveler en fin de compte avec ces jeunes-là. Qui plus tard, c'est un refuge aussi. C'est un refuge aussi. Mais on peut avoir un refuge, le gars il peut dire ouais, moi je pense qu'à telle espèce, il n'y a que ça qui m'intéresse dans le refuge. Non, et c'est y a un refuge. Non, c'est voilà. Pas, c'est un refuge. Donc maintenant ils ont un peu de tout. Alors le refuge, j'ai pu le visiter, alors j'ai pas tourné d'image. Avec le recul, j'aurais peut-être pu en fait. Bah, mais ça, pour une prochaine fois, il y a toujours des prochaines fois, donc je suis pas inquiet. Mais ils avaient un peu tout, donc poissons, lézards, tortues, serpents également, donc. Des phasmes. Ouais, des insectes et tout, oui. Et puis c'est des axolotes également. D'ailleurs, c'est... mais bon, après, c'était vraiment sympa. Il y avait un peu de tout.
pas des petites installations bidons, c'est, on va dire, un pogoda dans un 45-45 non plus. Hein. Non, c'est non, un refuge qui met la qualité aussi, parce que bon. Moi, quand ils font mettre les moyens du bord. Les moyens du bord, mais pas non plus le petit truc, ils ne sauvent pas pour dire ouais, j'ai sauvé une bille, maintenant je vais me démerder. Non, c'est on sauve une bille, il y a l'installation, point. Après, ils essaient de replacer quand même. Ils essaient de replacer, mais après, c'est comme tous les sauvetages, on ne peut pas forcément tout replacer. Mais bon. Bah, nous, on replace déjà pas mal. Ils ont replacé pas mal, ouais, et puis moi, quand je vois la tortue qu'ils ont, une Rhinoclémis, voilà, c'est pas non plus la tortue de débutant comme la Pélo qui vont sortir. Donc le terrain était vraiment bien fait, donc il n'y a pas trop à se plaindre là-dessus, ils ont vraiment assuré le coup. Les installations sont vraiment pas mal, mais mon poisson c'est des gros bassins, donc ouais, c'est gros bassins. Voilà, c'est les un bassins sont de 94, je crois, il parlait de ça tout à l'heure. Certainement, moi je les ai pas connus parce que bon, ouais, j'étais pas intérieur en 94, mais sinon c'est des belles installations, beaucoup couloirs de bassins là comme ça, c'est vrai que c'est pratique quoi. Puis c'est leur petit local à eux et c'est pas un petit local d'assaut où il y a des papiers. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui peuvent dire qu'ils vont. Qu'ils ont un local comme ça. Un local comme ça avec les animaux. Avec les animaux qu'ils ont surtout et puis avec des jeunes comme ça aussi quoi. Donc c'est une association qui peut à l'avenir, si elle négocie bien ses virages, elle peut aller très loin quoi. Et pour longtemps. Après, il faut bien les négocier, ils ont quand même la tête sur les épaules, ils ont vu des erreurs de la bourse de l'année dernière, ils les ont en partie corrigées. Ils peuvent faire encore mieux, je pense. Niveau publicité, la publicité, c'est les présentations des exposants, c'est ce que les visiteurs veulent voir. Même là, s'ils sont déplacés en masse, ils veulent savoir quel exposant va venir, si possible, quelle espèce ils vont ramener, même si après, ça peut varier par rapport. Regarde, moi, j'ai mis dans mes listes, par exemple, pour Manicourt, que j'allais avoir des gécolopards. J'en ai plus. Voilà. Non, mais après, j'ai mis dans la liste, mais la liste n'est pas forcément. Ça dépend des ventes qu'ils ont à l'extérieur. Ils mettent la liste de ce qu'ils ont au moment où ils font la liste. Ah, bah oui, c'est pas ça que, comme toute. Organisation de bourse. Voilà, j'aurais pu avoir des tortues et ne pas les avoir. Donc, c'est. Voilà, on peut avoir des animaux pas prévus dans la liste et qu'en fin de compte, on les ramène après. Donc, bon, après, c'est avec les organisateurs qu'on pourrait me prévenir souvent. Ben, voilà, telle bête va être ramenée et s'il n'y a plus telle bête, on met telle bête. Voilà. Donc ça varie souvent, donc c'est pas évident, c'est pour demander directement quelques jours à l'avance ce que l'exposant va ramener en contactant directement, pour un visiteur c'est ce qu'il y a de mieux. Moi quand je dis ouais je vais à telle bourse, à tel endroit, à tel moment, il y a beaucoup qui viennent me dire ouais est-ce qu'il y a telle espèce, est-ce qu'il y a un mec qui va faire ça, est-ce qu'il y a un mec qui va faire ça. J'en sais rien. Tu contactes les exposants. Moi j'en sais rien, je suis exposant, j'expose mon truc, je sais ce que moi je vais avoir. Après, ce que va avoir Pierre Paul ou Jacques, je ne veux pas le savoir. Hein. Ça, c'est... Sauf si je connais très bien. Par certains. Voilà, comme toi ou Jack Levener, que je connais bien, je sais que c'est même Nelly, même date avec ses plus, je sais ce qu'elle va avoir. Là, tu ne vas pas te tromper. Je ne peux pas me tromper sur la maintenance, il n'y a pas de problème. Mais voilà, après, c'est. Voilà, il y en a qu'on peut savoir à peu près, mais on ne connaît pas tous les exposants, donc on ne peut pas forcément savoir. Et le seul moyen, c'est soit il y a toujours des exposants. Des nouveaux exposants. Il y a des nouveaux exposants, que ce soit en professionnel ou en amateur. Là, il y a quand même pas mal d'amateurs, ce que j'ai remarqué. En professionnel, et puis professionnel, il y a 5. Voilà, il n'y a pas grand monde. Il y avait Jack, il y avait Nelly, il y avait toi, il y avait Protec. Et Nat, voilà. Ça fait pas énormément d'exposants, mais il y a beaucoup d'animaux derrière qui étaient là. Parce que ça aussi, il faut le souligner, qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de matos, contrairement à d'autres bourses. Et c'était axé animaux. Ouais. Et ça c'est plutôt bien, c'est que j'avais dit. C'est un bon point sur que d'autres bourses n'ont pas su assurer. Alors après il faut se dire aussi que cette période de la saison n'est pas forcément la période de la saison où les nouveaux nés de 2017 sont présents. Il y avait 200 animaux d'exposés. 200 animaux, mais beaucoup de nés dans 2016. Ou de nés avant quoi. Voilà. Voilà, des NC 2017, tu ne faisais pas en avoir des masses. Bah certains bois, comme voilà, certains bois, mais pas énormément, donc bon. C'est comme ceux de Jacques Levenaille. Voilà, et avec lui qui avait réussi à assurer le coup là-dessus. Mais bon, après, voilà, faut tomber sur les saisons et les bourses hors saison, on va dire. Parce que c'est un peu hors saison. Hein. Elles ont plus de mal en fait à. Décoller. À faire venir du monde. Et après, il faut dire aussi qu'on est au niveau du mois de mai, mi-mai, dans un peu plus d'un mois, c'est Arras. S'il y a des gens qui vraiment veulent acheter la bête qu'ils veulent depuis longtemps, ils vont économiser et faire Arras. Après, ils vont peut-être passer sur la bourse, chercher des insectes s'ils ont besoin, s'ils sont pas loin. Mais je vois mal un mec faire 200 bornes pour. Un mec qui économise faire 200 bornes pour chercher des insectes. Hein. Ouais. Il passe un coup de fil et il passe à son fournisseur, il a ses insectes. Hein.
Donc, mais voilà, mais bon, en tout cas, par rapport à l'année dernière, il y a du mieux, il y a du positif. Beaucoup de positif. Ils ont quelques projets pour la saison prochaine. On va en parler parce que c'est plutôt à eux de le faire, pas plutôt qu'à nous. De toute façon, c'est leur projet à eux. Et ils m'ont parlé de quelques petits trucs que je ne dirai pas plus non plus parce que je préfère garder la surprise. Et puis, il y a des petites surprises pour toi aussi. Oui, il y a des petites surprises également pour moi de prévues depuis hier. De toute façon, mais on dévoile pas tout de suite parce que ça travaille, ça travaille. Une autre, enfin, il y aura peut-être, ça va faire deux surprises en une parce que il y a peut-être un petit truc qui pourrait se passer sur la page Facebook derrière en, qui découle de cette information cruciale dont on ne parle pas. Ça fait très secret en fait, ça fait très FBI. Ouais. Mais, donc voilà, donc une info en préparation aux coulisses secrètes qui va débouler sur une info plus utile pour tout le monde et qui va être plus sympa et amuser un peu tout le monde, on va dire. Oui. Donc ça sera pour la suite. Alors peut-être pas dans les semaines à venir, peut-être enfin. Peut-être pour Arras, c'est possible. Le lancement d'Arras. Le lancement d'Arras, ça peut faire une bonne date. Donc on va enfin je vais y travailler parce que j'ai du boulot. Oui. Et puis, pas là, je pourrais plus t'aider. Voilà. Et puis puis aussi une autre vidéo. Enfin là on est donc faut savoir qu'il est à peu près minuit et demi le jour de la bourse, ouais. le soir après la bourse, donc on est déjà le temps de rentrer, de manger un morceau, de discuter. Faut pas lire, mais bon. Donc il y a déjà ça, et puis le fait de vouloir venir ranger les bêtes, puis après de se mettre en place pour tourner, c'est pas évident. Hein. Donc voilà, donc tout ça, donc il y a déjà un peu de fatigue. On a prévu quelques petites vidéos donc pour demain sur certaines espèces, donc on va pas en dévoiler, on vous laissera la surprise pour la chaîne YouTube. Et aussi une arrivée d'une espèce à la maison pour moi, donc qui vient de chez toi, hein, notamment en sauvetage, on va dire, c'est un peu de tout. J'ai pas le temps de m'en occuper. C'est un passage de relais, quoi. Ouais, c'est un passage de relais. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça, il y a du boulot à faire. Moi je sais que bon, là j'ai une semaine de congé. T'as plus de temps que moi. Voilà, puis comme moi je suis plus réveillé la nuit que c'est animal nocturne, dont on ne citera pas le nom, et non, ce n'est pas j'ai collé par, j'en ai déjà fait. Mais voilà, donc je ferai une petite vidéo là-dessus pour expliquer un peu l'histoire de l'animal, dans quel terrain il va être et tout, les problèmes qu'il a, peut-être ce que je vais faire aussi si je sais à peu près dans quel sens je vais aborder le problème. Il faut d'abord que je fasse un petit état des lieux de l'animal pendant quelques jours pour voir un peu. Là, il est en mue, donc c'est vrai que ça va pas être évident. Mais bon, en tout cas, il y aura une prochaine vidéo là-dessus. Les vidéos donc d'ici des espèces qu'on va tourner demain, donc certaines sont un peu derrière, mais on ne dira pas les noms parce que bon, ce sera pas du Python Régis, de la Gute ou voilà, on va taper dans des espèces alors qu'on avait certainement peut-être déjà montré dans des vidéos antérieures que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube, ça fera des vues, mais voilà, on va les montrer avec, on avait été gêné par le néon et là on va les faire en essayant de pas être gêné. Donc avec les manipulations si possible, si l'animal veut bien se laisser faire pour montrer un peu comment ça se manipule. Avec des nouvelles espèces aussi. Avec des nouvelles espèces également. Puis montrer que voilà, les animaux, que les reptiles, c'est pas agressif, c'est pas dangereux, si on sait les manipuler, si on y va correctement, ça peut être des crèmes. Voilà. Donc voilà. Donc les espèces, je vous verrai ça pendant plusieurs vidéos. Alors on va essayer d'en tourner 3, si on peut. Si on est vraiment chaud, qu'on arrive à faire 4, ça serait pas mal. On vous promet rien, donc vous verrez, ce sera une petite série en fait spéciale tropical reptile, parce qu'il y a partie de ce concept qui est le matériel, mais tropical reptile, c'est l'élevage. Ouais. Donc ça sera spécial tropical reptile. Et vous retrouverez aussi quelques tutos que je tournerai également dans la semaine, tuto escalator, tuto avec dans style des cachettes en hauteur, où j'ai d'autres trucs de prévu. Donc beaucoup d'actualités sur la chaîne. Avec un test en plus. Ah oui, avec un super test, bah oui, parce que la nouvelle espèce qui va arriver va tester en même temps du matériel. Ah oui, c'est... Ça va servir de cobaye. Ça va servir de cobaye. Donc, c'est beaucoup de vidéos programmées. Donc voilà, donc ça c'était pour la bourse, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, puis à bientôt.